Eh bien tout le monde, alors comment allez-vous? Moi écoutez, ça va super. Alors aujourd'hui... What? Hein? J'ai même pas lancé de combat. Ok, bon c'est pas grave. Aujourd'hui les amis, c'est la totalité. Vous savez quoi? Hier soir, vous savez qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu le cimetière. Et ce n'est pas tout. Parce que j'ai eu vraiment de chance, mais en plus de ça, j'ai eu dans un coffre gratuit hein, quand même. Hein. C'est quand même énorme et grâce à ça, je vais monter en trophée là. On va voir quelques combos. J'en ai trouvé un qui est pas mal et qui coûte que 8. Enfin, que. Voilà. Un petit peu chiant. Mais bon. Mais c'est un combo feu à gobelin plus cimetière. Parce qu'avec le cimetière, on peut quand même faire des combos assez intéressants. Avec le miroir aussi, surtout le miroir. Hein, ça, oui. Hein, ça, je peux. Bon, attends, hop. Oh, bah, j'ai bien fait de poser la Valkyrie. Au moins. Hop, la Valkyrie se débarrasse de tout ça. Et les amis, regardez, place au cimetière qui est overkill, franchement. Regardez, mais regardez! Vous avez vu comment c'est overkill ça? Waouh, mais regardez! Alors vous me direz, pourquoi les squelettes font autant de dégâts que ça? C'est parce que, en fait, vous savez, les amis, les squelettes sont niveau 9, et oui, les amis. Donc, ça me donne un avantage car du coup. Même face à un prince, ça pourrait vraiment être pas mal. Bon, le cimetière, je vous conseille pas du tout pour la défense, ça va être plus pour l'attaque. Ouais. Ouais. Ah non! Ah non! Aïe! 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 Oui. Oups, mais alors là, j'ai subi beaucoup de dégâts, mais ce n'est pas si grave, ne vous en faites pas. Regardez! Regardez! Magnifique. Ah bah là on a presque gagné là les amis. Bah écoutez les amis, bah c'est presque. Bon là l'adversaire en tout il a pas très bien vendu mais bon. Voilà, la victoire, écoutez, vous avez vu. Vous avez vu comment le cimetière c'est juste over cheat quoi. Franchement, moi je suis bien, je suis content vraiment de l'avoir. Car grâce à ça au moins là voilà. Voilà. Ok. Alors, on va regarder, les amis. On va ouvrir un coffre à couronne. Et regardez. Alors, on va aller voir ce qu'il y a dedans. 5 bombardiers. Ok. Pourquoi pas. Ouais, le chevalier. Ok. Très bien. Ok. Ouais, bon, il aurait pu me donner une épique. Il aurait pu me donner le miroir, hein, j'avoue. Mais bon, je ne me plains pas. Regardez, les amis. Le chevalier qui passe niveau 7, allez! Regardez! Boum! Je crois que c'est ma toute première carte niveau 7. Ah non. Non, c'est pas la toute première carte. Mais le chevalier qui passe niveau 7, et vous avez vu que le trophée, que ça va pouvoir me faire monter au trophée. Et ça veut dire que du coup, grâce à ça, on va pouvoir même du coup passer, ben écoutez, arène 6. Mes amis, moi qui restais coincé dans cette arène. Bon, j'ai bien fait de rester coincé quand même. Hein. Moi, je dis que c'est bien d'être coincé dans cette arène. Parce qu'au moins, là, grâce à ça, on va pouvoir rester là. Il va pouvoir débloquer des légendaires dans cette arène. Bah, bref, je trouve ça pas mal, quoi. Ouais. Ah, ouais. On va. Attends. Mais non. Boum, boum, boum. Allez. Donc, on va troller notre adversaire. D'ailleurs, je vous conseille même un truc juste dans les combats. Qu'on peut faire. Mince. Non! Ouais, bon, c'est pas grave, hein, comme ça. Voilà. Alors, regardez. On va faire un combo feu à gobelin. Ça, ah mince. Ah là, c'est un peu tard, je trouve. Ah mince. Ah, quoi que, ça va, hein. Ah, quoi que. C'est bon, regardez, ça va quand même, hein. Ah, bah, ça va quand même. On a quand même. On lui a quand même infligé des bons tas de dégâts. Regardez le chevalier, les amis. Il fait beaucoup de dégâts. Merveilleux. Vous avez vu à quel point le cimetière c'est juste over cheat quoi. Par exemple, imaginons il y a un de vos amis qui est trop fort. Ben là, peut-être que là il sera. Peut-être que là vous allez pouvoir enfin le battre. Peut-être votre ami qui est trop fort. Peut-être, hein, je sais pas. Mais bon, en tout cas, grâce à ça, je vais pouvoir vraiment. Vraiment là, pouvoir défoncer mon adversaire. Alors là, on va devoir détruire son spawner. Allez, les esprits de. Non. Ah, ok.
Ok, c'est bon, on a détruit une tour. C'est très bien. Ok. Bon, c'est pas très grave, regardez. Boum, voilà. Voilà. Là, on a bien défendu. C'est très bien. Alors là, on va pas envoyer ça tout de suite. Par exemple, vous avez vu que le squat géant, je l'avais même pas encore mis. Hein. Et ben là, maintenant, on va le mettre bientôt. On ne va pas tarder, je pense. Bon, quand même un peu de défense. Bah, tiens, justement, on va utiliser ce squat géant pour contrer tout cet effet de masse. Regardez, parce que dois-je vous rappeler qu'il y a une bombe. Hein. Ok, c'est très bien. Bon, la sorcière. Bon, la bombe, elle aurait pu quand même toucher le sorcier. Hein. Mais je ne me plains pas. Il n'a même pas posé la Valkyrie, je crois encore. Non, je crois pas que je l'ai posé encore la Valkyrie. Allez, Valkyrie, fais-moi le travail, s'il te plaît. Allez, la Valkyrie. GG la Valkyrie. Boum, le squad géant aussi, qui fait beaucoup de dégâts. Qui est pas mal du tout, d'ailleurs, pour se débarrasser d'un prince, je trouve. Non. Ah. Là, il a extrêmement bien joué. Bon, c'est bien. Très bien joué, ce qu'il a fait. Là, je pense que là, il a perdu, je pense. Ah non, ah non, ah, il a pas perdu. Ah. Bah si, quoique. Ah, si, si. Bim, voilà, les amis. On a encore fait une victoire, vous voyez, c'est quand même magnifique le cimetière. Hein. Franchement, moi, je vous conseille de l'utiliser. Hein. Car imaginez, vous n'arrivez pas à monter en trophée. Et ben là, grâce au cimetière, vous allez pouvoir vraiment, mais là, vraiment, tout défoncer. Voilà. Au moins, grâce à ça, là, voilà. Bon. Vous pourrez quand même pas battre le premier du clan, hein, qui est Flamby. Parce que oui, évidemment, je crois que Flamby, c'est le tout premier du... Non. Lui, c'est le chef adjoint. Lui, c'est le chef adjoint, voilà. Il n'y a aucun ami en ligne, il y a juste moi, parce que le 1, voilà. Ça, c'est pareil, c'est quoi ça? Ouais. Bon, voilà. Ok, voilà. Du coup, allez, on se refait un petit fight, les amis. Allez. Un dernier fight et après, peut-être qu'on va se quitter. Ou alors un autre, si ce fight est trop rapide. Cimetière! J'envoie mon cimetière, qui est mon seul espoir. Et oui, les amis, moi, cimetière, c'est juste mon seul espoir. Ah mince, ouais. Par contre, vous voyez le cimetière, ce qu'il peut faire. Ça, c'est juste un petit peu l'inconvénient. Mais bon, ça, c'est un inconvénient pas très grave. Parce qu'on va pouvoir quand même gagner. On va quand même gagner cette game. Je vous promets qu'on gagnera. Là, on a quasiment gagné. Hein. Là, on n'a même pas perdu une seule fois, là, pour l'instant. Pendant cet épisode. Peut-être que je vais perdre ce match. Je ne sais pas. Ok, alors là, on va envoyer une Valkyrie. Une Valkyrie qui va tout gérer. Vas-y. Allez, allez, allez. Très bien. Voilà, oula. Alors là, actuellement, il y a un énorme vent, les amis. Peut-être que chez vous, non, mais moi, oui. Moi, il y a un gros vent, il y a une tempête. On va pas exagérer. Hein. Allez. Oh non, j'ai raté. Ah, je me suis failli complètement là. Ah non, mais le cimetière, il a infligé quasiment pas de dégâts. Alors là, c'était très mal joué. Je sais, là, j'ai très mal joué, par contre. Ok. Alors là, il va falloir bien gérer son prince, parce que là... Bon, ça va, hein, quand même. Hein. Vous avez vu, quand même, qu'on arrive quand même bien à gérer. Hein. Vous avez vu, comment... On gère. Les barbares qui vont se faire tuer par une simple arme de squelette. Allez, je tente le feu gobelin. Allez, je lance mon feu gobelin. Ah, c'est problématique ça. Ça y est, maintenant, c'est parti. On pose ça et on pose le squelette géant, les amis. Que j'ai caché encore, hein. Comme vous voyez, hein, je l'ai caché. Non? Oh, c'est très bien ça. Ça, c'est cool. Les spires gobelins, ils ont failli se faire toucher. Allez, hop. Allez, cimetière! Bon, allez. Allez. En plus, cimetière, c'est quand même cool comme carte. Hein. Enfin, comme carte. Oui, je dis une carte. Hein. Enfin, c'est cool comme sort. Car c'est quand même un peu un sort, je trouve. Ah! Presque!
Ah, presque, les amis. On va y arriver, je vous le promets. Il faut penser à victoire et on gagne. Je pense à victoire, les amis, et je gagne. Voilà. Victoire. Voilà, il faut dire peut-être victoire et après là. Ah non. Oui. Allez, allez, allez. Boum. Oh punaise, le spire gobelin. Là, je sais pas si vous avez vu le spire gobelin, comment il l'a trop bien fait là. La lance, ça lance, mais il a trop bien fait. C'était extrêmement bien joué ça. Et on est maintenant regardé à 1670. Et regardez, on est bientôt à l'atelier d'ouvrier. Vous avez vu? Hein, vous avez vu ça? Regardez. Ah, et bientôt, regardez, bientôt on aura les barbares d'élite. Et regardez, et bientôt on est à l'atelier d'ouvrier. Donc voilà, on va pouvoir débloquer le mortier. Par contre, moi, ce qui est bizarre, c'est que le mortier, je l'avais eu avant. L'extracteur d'élixir qui va m'être pas mal, par contre. Pour moi, il va peut-être être pas mal. La tornade. Ah, la tornade, c'est bien. Enfin, quoique, c'est pas terrible. Bon. Hop, vous voyez, regardez. Le mineur. Oh, le mineur, j'aimerais tellement l'avoir. Le mineur, c'est juste pas mal. Et la reine 8, il y aura le sort le sort de clonage. Voilà. Voilà, donc c'est vraiment très intéressant. Bref, alors on va ouvrir un petit coffre. Allez, un petit pack opening minuscule. Allez. Sorcier, ok. Est-ce qu'on dépense des GM? Donner 254. Ah, bientôt, on va pouvoir atteindre ça. Donner 5000 cas. Oula. Oh non. Attends, la reine 10. Ah, bientôt, je vais pouvoir. Voilà. En route pour la gloire. Collectionner 40 cartes. Oui, ça, c'est bien, ça. Gagne 1000 cartes dans les tournois. Gagne 1000 cartes. Entraînement entre amis. Gagner 10 combats amicaux. Ouais, ça, c'est bien, ça. Participer à un défi exclusif. Ah ouais. Non, moi, je pourrais pas, malheureusement. Vous voyez, le tournoi, par exemple. Voilà. Bon, bref. Regardez, vous avez vu. Donc, bon je passerai en arène 6 quand je filmerai pas. Hein. C'est-à-dire que juste après, je vais recommencer un fight. Voilà. Et donc, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Moi, elle m'a bien plu. Allez, on se retrouve. Allez, je vous dis ciao pour une nouvelle vidéo.